entendu? En rentrant à la maison, l'autre soir. Et salut à tous, c'est Monsieur Gwan56. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Origins. Merci à vous de vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Merci à vous. Beaucoup trop. Il a tout simplement entendu des pêcheurs. Les voix portent loin sur l'eau. Et la lune leur donne un son étrange. Mais maman! Tais-toi, petite gergoise. Fais ton travail et ne m'ennuie pas. Excusez-moi. Qui est là? Je suis armé. Je vais te faire si mal à la tête et ailleurs que les dieux s'en souviendront jusqu'à la fin des temps. Calme-toi, mon ami. Je ne te veux pas de mal. Il n'en reste plus grand-chose de valeur.
Les chacals ont déjà dépouillé cet endroit de sa chair. J'ai lu le récit d'une bataille entre Mysis et Ocus, tu sais. Si elle s'est déroulée ici. C'est ici que Mysis a trouvé la mort des mains de Bagoas l'Eunuque et Mentor le Rhodien. Tu as peut-être lu ma version de J'ai vu Thoth. Non ? Peu importe. Tu sais ce qu'est devenue l'épée de Mysis ? L'épée de Ptah, celle qu'on dit sacrée pour Sekhmet et Serket ? Non. Mais je te l'ai dit, ce lieu a été pillé il y a bien longtemps. Les bandits sont installés au nord, et je les évite. Merci. Je vais aller au nord. Wow. Ce doit être les brigands dont a parlé l'historien. Je me demande où ils ont mis l'épée de Ptah. Merci, déesse vénérée. Hop, tu es le capitaine.
venir ici. Putain, il fait mal lui leur foire avec son bouclier là. Allez, bim! Non! Ah, enfin, putain. Enfin, j'ai eu ce... Allez, tu es le capitaine, non. Le repère. Hey, je me bats contre un lion, moi. C'est énorme. Oh le pauvre. Bienvenue à l'Étopolis, le dernier rêve du défunt Taharqa. Je connais ces histoires. Un guide te conduira à ta nouvelle maison. Tu n'auras plus qu'à la sortir du sable et à participer aux travaux communs et tu seras le bienvenu parmi nous. Bienvenue l'ami. Une nouvelle vie t'attend ici, à l'Étopolis, la cité d'Horus. Viens, trouve ta voie et marche à nos côtés vers une nouvelle ère. Chef Nito, le puits s'est en partie effondré, mais j'ai réussi à sauver tes hommes. Ma petite et moi avons de la chance que tu sois passé par ici au bon moment, Mijai. Que les dieux te bénissent mille fois pour tes efforts. Prends soin de toi, et que les dieux bénissent ta petite. Thank you.
Hop, 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 hop. Allez, je pourrais y aller voir la chaîne de mon pote Monsieur Frag 69. Je mettrai sa chaîne dans la description. Non, il y a moins de temps que moi. Et n'oubliez pas les gens de liker la vidéo, partager la vidéo et vous abonner. Merci. Moi je suis au niveau 19. Là. Nouveau lieu découvert, Grand Sphinx. C'est un négociant qui se trouve quelque part sur ce marché. Le découvert, repère de la carrière épuisée.
sais pas si je suis bientôt dans la pyramide ou quoi. Parce que là... Waouh. Allez, nouvelle région découverte, nom de Sakari. Non, Nakarari ou Nakarix, c'est... Sur la vache. Allez, Memphis. Nouvelle découverte, mon fils. Faut que je parle à Pachereta. Il doit être au grand temple. Depuis la sortie. Mais moi je fais. Bah tu sais, moi je fais les autres jeux aussi. Ouais. Mais non, je sais pas si vous avez vu, quand c'est par exemple marqué en rouge rouge, très rouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas encore les tuer. Faut que... L'odeur d'un champ de bataille. Bon, je rentre comme ça, comme un connard. Hop. Allez. Nous avons peut-être oublié une partie du rite. Si ça continue, je vais vomir. Sois certain d'une chose. Si notre enfant vient à mourir, je meurs. Non, mon Lotus, tu ne dois pas dire ça. Je dois me rendre chez le clapeur. Laisse-moi, je t'en prie. Désolé, je suis... Je suis venu chercher le lézard. Oh, le lézard. Un fléau de plus pour notre pauvre Memphis. La ville souffre d'une terrible affliction. La maladie, la pestilence, la puanteur empoisonnée de l'air. Le taureau Apis est malade aux portes de la mort. Les dieux nous ont abandonnés. Les gens me consultent pour que je les guide, mais je suis aussi désemparé. Vache. Apis, de quoi nous punis-tu? Vache. Le mal se répand même à ma propre maison. Ma femme Taïmotet a fait 3 fausses couches cette année.
Elle est de nouveau enceinte, mais si... Si elle en perd un quatrième. Je vais enquêter sur cette malédiction. Le clairvoyant de ma femme t'aidera. Sa maison se trouve au sud-ouest. Les dieux sont responsables. Je serai à tes côtés pour affronter leur jugement. Grandis, lueur, approche, ô lueur. Mon enfant. Tu es arrivé, enfin. Cet homme ? C'est le libérateur. Moi qui l'attends depuis si longtemps. Quoi ? Vite ! Aide-moi à tirer mon enfant des griffes de la mort. Accomplissons le rite. Apporte-moi le chaudron. Je suis le maître des choses secrètes. La forme de l'âme qui repose dans les cieux. Je suis le serviteur du grand Dieu. Sotis, révèle-toi en ce jour et réponds-moi sans détour. Laisse tes yeux s'ouvrir. Dénué d'humidité, tu dois sortir du ruisseau. Sotis, laisse leurs yeux s'ouvrir. Laisse tes yeux s'ouvrir. Là, je suis à 11 000 vues aussi, plus de 11 000 vues sur ma chaîne YouTube. Ouais. Si jamais je m'y gare. Cet endroit oublié des dieux. Il y a quelqu'un là-bas ? Qu'est-ce que c'est ? Une sorte de tombeau ? Je dois continuer, ou le désert m'engloutira.
nous rapprocher de ces feux. Je dois continuer, ou le désert m'engloutira. Anubis, seigneur des morts. Ce vieux fou m'aurait empoisonné. Oh Nec. Je saisis là et je balai le ciel. Tu ne dévoreras pas mon cœur. Hey, protège-moi. Je suis celui qui nous l'accorde et consolide le sanctuaire. Je suis celui qui repousse le destructeur. Tu ne dévoreras pas mon cœur.
suis celui qui repousse le destructeur. Oh mais what the fuck? Eh, c'est serré serré là. Je me bats contre un serpent. Je balaie le ciel. Je saisis l'arc et je balaie le ciel. La force qui brille dans son œil. Mon heure n'est pas encore venue. Pas raison de moi, destructeur. Tu vas ressentir la colère du dieu soleil. Détruire la droite. Je dois trouver un lieu stable. Mon heure n'est pas encore venue. Je rejoins.
rejoindrai pas la vallée des ténèbres. Je dois trouver un lieu stable. Je suis la force qui brille dans son œil. Retourne à la mer du chaos. Je transpercerai un scorpion de ma flèche. C'est nous. Qu'est-ce que tu vois? Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à partager la vidéo sur Monsieur Gwen 56. Merci à vous. Ouais, c'est bizarre, il est pas là, l'autre gamin, là. Ils sont revenus tirer des griffes. Mais oui, ce traître de Facoché. Ce traître de Facoché. Ton
ton ennemi est le même que le sien. Refuse. La nourriture du temple, celui qui la prépare, te fait ingérer la chair des morts. Va, tue l'empoisonneur et libère Memphis de cette funeste engeance. Loué soit celui qui nous délivrera. Cool. Niveau 20. Et succès. Réveil. Deux succès d'un coup. Mon amour. Tout va bien ? Mieux maintenant que je te vois. Allez hop. Il y a une lueur étrange dans ton regard. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai rêvé de notre fils. Bayek. L'épouse du grand prêtre a été empoisonnée. Et selon son clairvoyant, l'empoisonneur est notre ennemi. Le lézard? C'est ce que je crois. Le taureau Apis aussi est à l'agonie. Nous devons nous rendre au temple. Nous parlerons de tes rêves en chemin. Viens, en bateau ce sera plus rapide. Allez hop, c'est parti mon kiki. Alors, quel effet ça te fait d'être Medjay de toute l'Égypte? Ah, c'est... un peu comme suivre une colonie de fourmis. Mais je suis fier de servir ceux qui ont besoin d'aide. Moi aussi. Et je suis fier de servir la reine. Tu as parlé au grand prêtre? Oui, avant l'arrivée de la reine. Elle vient à Memphis. Oui. Allez, nouveau lieu découvert. Villa. J'ai pas le temps de dire. Je suis si heureuse de te revoir, Bayek. Aya. Autre bien, le visage du lézard. Amené Aya au temple de Ta'obato. Je suis lié à la reine, je la sers. Et notre lien à nous? Il est toujours aussi fort, mais nous savons de quoi l'ordre est capable. Nous pouvons l'affronter côte à côte. Oh, j'ai fait une promesse à la reine. Est-ce qu'elle t'apporte de plus que moi? Elle m'a offert un nouvel horizon. Je ne cesserai jamais de pleurer notre fils. Jamais. Mais je veux aider à bâtir un monde qui dépasse notre chagrin. Afin qu'aucune mère n'ait plus jamais à vivre ce que j'ai vécu. Quand j'aurai tué le lézard... Quand tu auras tué le lézard... Je quitterai Memphis. Alors je te suivrai. Chassons ensemble, comme autrefois. Tu as dit que des rêves t'avaient troublé. Est-ce que tu veux m'en parler? Non. Je préfère t'épargner ce fardeau. Nous devrons en parler un jour, lorsque la tempête sera passée. Lorsque la tempête sera passée. Si elle passe un jour. Oui, elle passera. Ah, c'est cool ça. Suivre Aya jusqu'au quartier du taureau Apis. Par où on commence? Va inspecter l'enclos. Je vais parler aux prêtresses. Ah, je vois. C'est à moi de marcher dans la boue.
Du fourrage pour le taureau. Le reste doit être dans cette remise. Des noyaux de pêche. Si on en a donné à manger au taureau Apis, ça expliquerait son état. Et ce collier ? Une des prêtresses jumelles en portait un semblable. Je vais aller voir si ça ne vient pas du collier de l'autre. Comment tu parles ? Attends, il y a quoi la télé ce soir ? Défonce tout directement, et puis c'est bon. C'est bien ce que je pensais. Ça, c'est un moyen subtil d'empoisonner un animal. Mes sœurs, c'est sans doute un accident. Un, peut-être, mais pas autant. Nous devions sauver Pancratès ! Hein ? Qui ? Notre frère ! Des bandits ! L'ont enlevé alors que nous allions au marché. Ils nous ont forcés à empoisonner le dieu. Ils ont menacé de jeter notre frère au crocodile. Depuis, nous en avons perdu le sommeil. Je suis désolée. Nous n'avions pas le choix. Jamais nous. Je n'aime pas ça. Ce ne sont pas des malédictions. C'est l'ordre qui est derrière tout ça. Va au temple d'Hathor sans moi. Je ne peux pas les laisser seuls. Juliette.
derrière. J'écoute. Le visage du lézard. Trouver et sauver Bocatrès, le frère des jumeaux. Oh putain, attends, je me fais attaquer. Attends, je te dis ça après. Attends, je te dis ça après là. Je suis en plein combo là. Où ça tu dis? Dans les quêtes? Santé, je suis à 927. Alors que je suis qu'au niveau 20. Et si je te pissais dans le fond du gosier en te soutenant que c'est du vin? Quel vulgaire personnage! C'est moi. Loué soient les dieux d'avoir envoyé un robuste guerrier à mon secours. Porté en lieu sûr. Parle-moi de ton enlèvement.
Mieux vaut en parler quand nous sommes seuls. Et puis j'ai peur que mes blessures m'aient beaucoup affaibli. Ouais. Du coup, t'as fait des vidéos sur Assassin ou pas du tout encore? Ouais, tu devrais en faire. J'aimerais épargner à mes sœurs les détails les plus pénibles de ma captivité. Je comprends. L'homme qui a ordonné mon enlèvement est un prêtre d'Anubis qui officie au Grand Temple. Un prêtre de l'entourage de Pachérepta. Tu peux me le décrire? Il porte une écharpe bleue. Oh, je suis à combien d'abonnés sur YouTube? Je le tiens. Ah, oh, c'est bon ça. 214. Alors, c'est l'œuvre du lézard. Et je vais encore avoir le sang d'un prêtre sur les mains. L'ordre se répand partout. Pour protéger l'Égypte, je suis prête à tuer un. Et ouais. Je dois avertir Pachérepta. Il attend au palais. J'ai récupéré des chevaux près d'ici. Qu'est-ce que tu attends, mon amour? Faisait la course, comme à Siwa. Ah, seulement si tu es prête à perdre. Moi, perdre? C'est ce que nous allons voir. T'es en train de perdre! Je gagnerai le vainqueur! Tu ne le sauras jamais! Tu es plus lent que Ramsès! Et il est mort depuis des années. Tu ne tiendras pas ce rythme. On verra bien. On s'écarte. Allez. Plus vite, allez, plus vite. Il ne doit pas nous battre. On dirait que j'ai eu le dessus. On dirait, oui. Ah, on a tous nos points faibles. C'est vrai. L'un des tiens est la modestie. Qu'est-ce qui se passe? La reine va parler. Viens, je veux l'entendre. Tant qu'ils régneront, les dieux maudiront le pays et retiendront les eaux de notre fleuve. Mais quand la déesse vivante aura pris sa juste place sur le trône, alors les crues reviendront. Grâce à moi, Memphis scintillera comme un sublime rubis serti d'or. Grâce à moi, l'Égypte triomphera. Oh, yeah.
ne dois pas les perdre. Il faut qu'ils prennent ma voix pour celle de la déesse. Ma reine ? Le taureau Apis souffre-t-il toujours ? Nous avons découvert la cause de son mal. On l'a empoisonné. Qui a osé ? Les prêtresses jumelles. Qu'on les fasse bouillir dans un taureau de bronze. Déesse, non ! On les a forcés ! Leur frère a été enlevé par un prêtre qui porte une écharpe bleue et qui tousse. Et Tepi ? Mais c'est l'un de mes plus proches conseillers. Celui qui vit dans ton ombre est le plus à même de te trahir. Si même était pillé contre moi. Ils menaçaient ta femme et ton enfant, mais ils sont en sûreté. On va s'occuper de lui. Les prêtres d'Anubis vont accomplir des rites dans le grand temple. Tu les reconnaîtras à leur masque. Ma lame sera aussi efficace que la sienne. Non, Aya. J'irai. Peu m'importe qui de vous tuera ce prêtre. Que ce soit fait avant que nous prenions la route d'Héracléion. Attends. Que Ptanoun le père insuffle sa force à ton bras. Aher Haru ? Tu repars tuer une nouvelle fois. Dis-moi. Est-ce que tu y trouves un sens ? Parfois, il n'y a que les rites pour nous empêcher de sombrer dans la folie. Chaque fois que je sens mon corps au combat, que je sens mes blessures toucher celles que j'ai infligées, chaque fois que je sens le cas se libérer, je lui rends hommage par la prière. Et cette prière n'est pas pour les morts, ni pour les dieux. Elle est pour moi. Mon credo donne un sens à l'absurde. Et une forme à l'insolence. Sans lui, je ne pourrais pas tuer. Mieux vaut que tu n'entendes pas les mots qui me permettent de tuer. Maintenant, va.
Putain, je pense à le trouver celui-là. Mais putain.
Mais sérieux, comment on va en dessous là? Ouais, putain, en chance, ça va me saouler. Ouais. Il est où ce putain de papyrus? Je suis prêt.
vigilant par ici. Hein ? Reviens vite me voir.
Ouais. Salut. Il faut te mettre à bord. Nikaha.